Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien, nous sommes toujours en live et comme vous pouvez voir l'heure, il est 23h16, installez-vous confortablement. On est parti pour la suite de notre aventure sur Alien avec l'épisode 22 et comme d'habitude, je préconise très grandement de prendre de quoi passer 30 bonnes minutes ensemble et déjà de lâcher un petit like et un petit commentaire parce que toi-même tu sais que ça fait plaisir. Évidemment. Allez, toujours plus sombre, hein, les gars, là où on y va, quoi. Merci. Bah voilà, je peux me faire canser comme ça. S'il suffit de demander. Ok. Allez, toujours plus sombre. Aziz, lumière. Merci. Ah, référence au cinquième élément. Non, lumière. Ah, il s'est trompé de bouton. C'est normal. La première fois, ils sont toujours de bouton. J'ai essayé de sauver Foster, tu sais. Oui, c'est ça. Tu l'as amené sur Sébastopol et je parle comme un méchant, donc je ne peux pas. C'était pas très intelligent de ma part. Quel con, on peut pas vaincre cette chose, Ridley. C'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est refuser le combat. Faut effacer toutes les traces, détruire toutes les preuves, arrêter la propagation de l'infection, s'assurer que l'espèce humaine soit plus jamais en contact avec cette chose. Plus jamais, parce qu'à la minute où elle entre en contact avec nous, elle a gagné. La compagnie saura jamais ce qui s'est passé ici. Personne ne saura. Je le permettrai pas. Ok, mais justement, faut que la compagnie sache en fait, c'est débile, ça n'a aucun sens. C'était vraiment pas un méchant très fut-fut. Ça veut toujours se faire du pognon. Ah, oh, il s'y est pas pris de la meilleure des manières, hein, le coco là. Hein. Ok. Ou pas. Lumière. C'est sympa, hein. Franchement, ça allume les lumières sur demande. Hyper sympa. Hein. Je vais devoir démonter notre petite chienne là. Oh alors attendez. Moi vous savez que dans un jeu j'aime pas aller là où on me dit d'aller. Y avait rien. Y avait rien du tout. Ok. Utiliser le terminal. Ah bien ça. Très très bien ça. Ce que c'est que ça? Ok, cinématique. Nouvel enregistrement. Message personnel. Ceci est pour ma fille. Coucou Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie, j'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois, j'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et... on a trouvé une créature extraterrestre. Vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Je devais tout faire pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre qu'on se verra très bientôt. Je t'aime, ma chérie. Ok, bon bah voilà, elle est là la maman, on en parlait, entre le record. Quoi? Maintenant tu comprends ce que je fais. Pourquoi tu fais ça? Attends, on a même pas le temps d'être ému, frère. Ça va en faire une putain. Je me demande, c'était pas... Ça effacera pour de bon toute trace de la créature. C'était Ripley, pas la même doubleuse d'ailleurs. Je peux pas la laisser. Le replay des trois premiers aliens. Mettre la main dessus ou ils recommenceront encore la même histoire. Ok. Écoutez-moi, on n'est pas obligé d'en arriver là. Arrête, arrête ça, Marlo. Marlo, je t'en prie. T'as entendu ce que ta mère a fait? Elle avait compris. Si elle était là, elle ferait la même chose. Tu crois qu'elle aurait voulu que les cadres de la compagnie sachent où je trouve ça?
et je l'ai tué. Hop. J'ai jamais aimé Jodie Foster. Je crois qu'il est trop tard. Il l'a enclenché. Il est jamais trop tard, Michel. Il est pas trop tard. Je vais arrêter la surcharge. Faut que tu m'aides. Va à cette console. Attention. Réacteur à fusion en cours de surcharge. Merde. Ouvre les systèmes de fusion que je puisse y accéder. Quoi ? Faut que j'envoie de l'énergie au générateur auxiliaire. Cherche les lettres A, U, X. Je l'ai trouvé. En même temps, trois lettres. Hein. Ok. Allez, c'est bon. Super. Tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Tu vois? Un Kamehameha! Je ne trouve pas. Sengoku! Confiance. C'est ça. Omewa Mushikiri! Le mec qui dit n'importe quoi et tout. Ok? Tranquille, les gars, pas de stress. Ok. Hein? Oh putain, qu'est-ce que je suis con. Surcharge du réacteur à fusion sous contrôle. Limiteur de sécurité rétabli. Putain, c'est pas moi qui vais mettre une balle de pompe à l'autre connard, là. T'as réussi. Ce n'est pas hors de contrôle. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà, les flammes vous donnent la direction. Aïe ! C'est rien. J'ai deux montres au poignet et ça c'est bon. Ok ? C'est rien. Ça, c'est juste des petits échappements de gaz, les gars. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Alors, ça a l'air quelque chose... Ça a l'air impressionnant, je vous l'accorde. Mais ça va. C'est pas ce que vous pouvez penser, hein. Je vais brûler. Je suis en train de brûler. Laissez-la-moi. Aïe! C'est rien. Oui, je suis en feu, mais j'ai maîtrise du feu. Ne vous inquiétez pas. Allez, on repart dans le vaisseau où il y a tout le monde. Hein. J'ai pas pu save avec ces conneries. Ça va pas du tout, ça. J'ai perdu la moitié de ma vie. Dysfonctionnement du couplage de l'appareil. Service hors ligne. Ricardo. Ripley, l'explosion a brisé les stabilisateurs orbitaux. On est sur le point de plonger dans le vide. J'essaie de contacter le Torrens. Les communications sont toujours verrouillées. L'ambulance est déjà amarrée et niquée. Le Torrens est notre seule chance de sortir. Bon, la sœurette est morte. Le message de Verlaine a été mis à jour. Allô, Sébastopol, vous m'entendez ? Quoi ? On vient de voir un vaisseau exploser à votre tribord. C'est rien, les gars. Il a complètement détruit tout un système de stabilisateurs orbitaux. On n'a pas d'endroit où amarrer, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui se passe là-dedans. On peut prendre des survivants. Je laisse cette séquence ouverte. Terminée. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Moi, je réponds pas. J'ai pas envie de répondre, apparemment. Ah, c'est mon petit côté un petit peu troubadour. Y'a pas une save ici. Longtemps que j'ai pas save là, bordel. Ok. Je vous avais dit que ça avait l'air impressionnant, mais ça allait, tu vois. En vrai, c'était quoi ça?
Ah, je peux encore sortir mon soudeur. Je vous avoue qu'utiliser mon soudeur dans le jeu, ça me fait toujours un petit truc, hein. Au moins, je me dis, j'en ai appris des choses sur Sébastopol, tu vois. Hop. Quelqu'un veut que je repasse son portail, les gars, dès que je reviens sur Terre. Voilà, ça fait... C'est toujours... Ah, il y a des nouvelles qui donnent le smile. Bienvenue chez Sixon Communication. Merci, les frères. Veuillez vous enregistrer auprès de la réception. Oh, putain, on est revenu au début du jeu. Quelle angoisse. Il n'y a pas une save, là-bas? Attends. Ah, il n'y a pas de save. Ok. On a de la compagnie. Pardon. La sécurité de la Sixon vient de débouler. Avec des armes et furax, j'ai dû me planquer sous un bureau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le Torrens. Ils ont entendu la diffusion et ils veulent le contacter. Je crois qu'ils veulent le prendre de force. C'est possible, ça? Non, les communications sont toujours HS. Ne t'approche pas d'eux. Ils sont dangereux et ils n'ont plus rien à perdre. Ah bah ça, c'est embêtant. Garde notre calme. Là, on peut s'en sortir. Ok. Donc maintenant, il y a des gens armés, hein, évidemment. Hello. Hello. Bonsoir. 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 Putain, je déteste cet endroit. Frérot, ça fait 5 minutes que t'es là. Stabilisateur Orbito opérant à 80% avant chute. Oh, les problèmes. Les problèmes, toujours les problèmes. C'était quoi ça? Darté, ne rendez pas la tâche difficile. Vous êtes prêts à mourir? Vous irez. Ninja! Normalement, il m'a totalement oublié. Il ne connaît pas ma puissance. J'ai vu tous les Naruto. Je connais la substitution par cœur. Le Kagebunshin est maîtrisé. Je suis mort. Ils sont passés où? Un casier! Je ne pense pas qu'elle soit là. Je vois pas où elle peut être. Le Kagebunshin no Jutsu du casier, les gars. D'ores et déjà un classique. Oh, un casier, mon seul point faible. Revenez. Bah non, pas. T'oublieras pas le like, hein, mon ref. Hein. Je sais que vous êtes encore ici. Ah ouais, j'ai couru peut-être un peu trop loin. Ok. Ça, c'était pas le jeu. Je sais que vous êtes là. Je suis un homme mort. Je suis un homme mort, mais vu que je suis pas un homme et que je suis une femme, tout va bien. Stabilisateur orbito. Bon, j'ai pris deux cartouches, mais it's ok, les gars. La replay, elle a la tête dure. Je sais que vous êtes encore ici, mais vous n'êtes peut-être plus ici, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Je sais que vous êtes là. Je suis mort. Cette ambiance me paraît bien trop louche. Bonsoir. Connaissez-vous notre sauveur Jésus-Christ? Je sais jamais, hein. Ça peut distribuer des petites cacahuètes.
Merde, que dalle. J'ai jamais de chance dans ces jeux de hasard. Une boîte. Ah. Ripley. Ça va? Écoute-moi. Souffle. Les permissions de Marlowe sont encore dans ce terminal. Avec les coordonnées du Torrens, on pourrait réaligner les paraboles de transmission manuellement et contourner Apollo. Il y a un observatoire près des coms, non? Ouais. Tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrens avec ça. Je t'ouvre la porte. Oh, ça va, t'es bien mon ref, hein. Ok. Les problèmes. Toujours les problèmes. À 40% avant chute. Les problèmes, toujours les problèmes. Allez, on est parti. Direction l'ascenseur. Allez, on est parti. Ok. En vrai, 400 de lance-flammes, j'ai bien récupéré. J'avoue, j'ai utilisé beaucoup de cartouches un peu dans le vide. Ah, c'est mon principal regret, hein, ici, hein. Moi, vous savez que je suis dans l'écho, hein. J'aime bien économiser, ça fait toujours plaisir. C'est bien fait, les bruits, hein. L'ambiance sonore est incroyable, hein, quoi. Ça, c'est pas l'ambiance sonore que j'aime entendre. Bonsoir. Alors, une petite save. Ok, c'est parti. Allez, let's go. Fais chier, j'arrive pas à contourner le verrou. Oh non, les problèmes. Ah mais oui, mais c'est là où je traînais comme un connard. J'arrivais pas à m'en sortir. Souvenez-vous, souviens-toi l'été dernier, mais avant d'hier. Ah, il y en a un qui a le ventre vide. Oh lolo, je vais encore utiliser le soudeur. Mais là c'est du bonheur, hein, cette fin de jeu, hein. La soudeur max. Par contre le jeu est très friand, hein. Vraiment ils ont pas rigolé. C'est hyper plaisant, hein. Je sais pas pourquoi ils en font pas un deuxième, hein. Attendez, peut-être que vu que je suis un youtubeur à l'international, j'ai peut-être un impact. Eh les gars, faut se réveiller là. C'est qui a fait Alien Isolation? C'est Sega? C'est plus fort que toi? Monsieur, faut pas se reposer, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a des aliens dans ce vaisseau. C'est Sega qui l'édite, mais qu'est-ce qui vend le bordel de merde? Hop, les développeurs d'Alien Isolation en ce moment, hein. Utiliser le système de piratage, ça me connaît ça. J'ai accou une fois un mec sur MSN. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Je comprends pas en fait, j'aurais plus con qu'un autre bordel de merde. Quoi? Faites correspondre les données avec les touches de déplacement et puis sont rentrées pour confirmer. Ouais, bon, c'est bon, hein. À l'époque des mécènes, il n'y avait pas ce système-là, hein. Ça s'arrête jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ça a l'air d'avoir marché. Allez, on a marre. Oh, c'est beau, hein. Parce que j'amarre là, si j'amarre tout le bloc avec moi ou juste moi. Ok. C'était sympa. Pardon. Peut-être me laisser sortir. C'est pas fini, bordel. On arrêtera donc jamais. Incroyable. Ricardo, je les ai trouvés. Maintenant, aligne les paraboles vers le Torrens manuellement. Ok.
Je vais dehors. Montrer les coordonnées du Torrance manuellement. Donc, en gros, c'est pour avoir une transition avec le Torrance, ok? Et on parle pas de site de téléchargement illégal. On parle bel et bien du seul et d'unique vaisseau Torrance. Et je suppose que c'est parfaitement à l'autre bout aussi. Ah mais moi les gars, faut savoir que je suis la salope du vaisseau. Hein. Je peux déverrouiller l'entrée du SAS d'ici. Voilà à quoi il sert hein, ce bâtard. Hein. Il déverrouille. Il déverrouille en toute sécurité. Merci. Là, c'est bon. Non mais ça va frère. Pas grâce à toi qu'on a terminé le jeu. Hein. Pourquoi avoir fait ce capteur d'ailleurs? C'est pour exterminer quoi à la base? Des insectes pour eux? Oh, on va peut-être aller dehors. Il va falloir penser à se changer. Incroyable. Attendez. Attendez. Faut que je me change. Hop, j'ai pas de reflet, hein. Ça faut le savoir. Je suis déjà mort en fait. Ok. Très bien. Ah d'accord, donc je vais devoir aller au satellite. Ah ouais, hein. Je viens de comprendre le but du jeu. Oh c'est beau, hein. C'est beau. Rip, dépêche-toi, ça va être l'enfer quand Sébastopol va sombrer. Il m'a dit dépêche-toi hein, ce petit-fils. Hein. Je suis dans l'espace mon ref, il m'a dit dépêche-toi. Hein. À tout moment les gars, je prends un gravillon à 4000 km/h. C'est quoi là en fait ce que je reçois là? Mais il y a de la... Il y a de la grêle, les gars, il neige dans l'espace. Ah, c'est des morceaux de là-haut, là. Oh, ça, c'est un beau soleil, c'est un bordel de merde. Ah, le soleil clignote. C'est bientôt l'heure de dormir sur le soleil. Là. Imaginez que là... Non mais c'est incroyable l'espace. Là, on voyage à des centaines, des milliers de kilomètres heure. Mais on s'en rend pas compte, putain. Ça va vite. Putain, j'ai cru que le soleil avait explosé. Avec cet effet-là. Eh ben, c'était pas la porte d'à côté, ça. Hein. Comment elle peut marcher? Bah avec ses jambes. Bizarre tes questions à toi aussi. Alors, entre les coordonnées dans le terminal. Oui, oui, oui. Hop, ceci n'est pas un terminal. Ceci n'est pas un terminal. Ceci est un terminal. Ok. Verrouillage du serveur. Okay. L'antenne parabolique est actuellement en position fixe. Putain. Ça va, Ripley. Il y a une console d'animation près des transmetteurs. Retirez le verrou. Je sais que c'est con. Hein. Les gars, si on lâche une caisse dans une combinaison, vous pensez que l'odeur elle remonte et tout? On peut mourir en fait. Parce qu'il faut savoir que les gars, on recrache quand même de l'azote. Enfin, c'est terrible. Non, c'est pas de l'azote. Si, c'est de l'azote, je sais plus. Non, c'est quoi qu'on recrache déjà les gars? Le gaz là? Vous savez les pets de vaches là qui contaminent... Je sais plus. Faut savoir qu'il y a des gens qui meurent dans leur paix hein, les gars, vraiment. Hein. Allez, un peu moins de lumière les gars, ce serait vraiment cool. Déverrouiller la pince d'urgence. Oh. Attends, je peux tenter un move je crois. Je peux tenter quelque chose qui...
Ah, du méthane. Bah ouais, putain, on y était presque. Bien joué, les gars. Nickel. Et là, sur YouTube... Hein, tu peux mettre un peu plus de lumière ici, on voit rien. Je vois rien non plus, les gars. Là, on y va, là-bas. On a peine. Ok, il va se passer quelque chose, sûrement. C'est beau, oh là là, une petite fenêtre. Oh, mais c'est un bonheur, ça. Regardez-moi ça. Oh, ça, c'est du bonheur, ça. Allez. Voilà. On sait pas ce qu'on fait, mais on fait. On appuie sur toutes les touches. Sur un malentendu, ça va déverrouiller. Ça. Ce qui est bien, c'est que justement, même ces moments-là, on les vit en fait. Putain, on vit des choses incroyables ensemble. Hein. C'est beau, oh là 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 là. Bon, il y a beaucoup d'aliens dedans, mais enfin, quand même. Ils ont de la chance, les aliens. Hein. Oh là là, on les a gâtés là. On leur a offert tout ça. On les a vraiment mis bien. Hein. On leur offre une ville et tout, comme ça ils vont pouvoir se reproduire encore plus et nous enculer sur Terre. Et ça c'est beau ça, bordel. Allez, il est temps de rentrer les coordonnées. Nickel. D'autres indices peut-être, je ne sais pas. On est le 11 décembre 2137. Eh ben, ça passe vite. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner les. Je vais être vraiment plus con qu'un autre. Ok, 75. Et tout là. Voilà. Let's go. Oh mais en fait le lore de Alien est incroyable les gars. D'ailleurs j'ai vu Prometheus hein. Bon c'était un petit peu flingué hein. Je vais pas vous mytho les gars. J'étais en mode, bon déjà j'ai pas vu un alien, mais bon c'est Prometheus, hein, donc c'est, voilà. Mais on a vu, j'ai vu les grands créateurs, là on a eu le vaisseau, et là je vais enchaîner avec Confnant. Ça sent pas bon. Hein. Torrens, ici Ripley sur la station. Verlaine, tu me reçois? Ripley, putain mais qu'est-ce qui se passe sur la station? C'est la merde Torrens, il y a un organisme alien ici, mortel. On a besoin d'une évacuation d'urgence. Un quoi? Pas le temps d'expliquer, s'il te plaît, Verlaine. On a nulle part où s'arrêter, Ripley. Et la station commence à se détacher de son amarre gravitationnelle. J'ai vu une plateforme de remorquage sous le terminal de décollage. Mais le cordon ombilical du Torrens n'est pas construit. Faut que tu déploies les bases de la plateforme de remorquage. Oh, les gars. Mets-toi en position. Ça me stresse, on sait jamais sur un malentendu. Allez, on se casse. Allez, let's go. Ouais, je sais que c'est claqué, Confnante. Mais bon, on m'a dit que je dois quand même le regarder avant de regarder Alien 1. Ah, j'attends de regarder Alien 1, je les ai en Blu-ray. Je vais pouvoir regarder Alien en 1080p. Allez. On se casse. Ça me casse les couilles, tout ça. Ça, on peut rien faire. En Blu-ray. Oh, sympa cette balade quand même. Aucun regret. Hein. Aucun regret d'avoir vécu tout ça juste pour ce petit passage-là.
C'est sûr que c'est pas dans Outlast qu'on va voir tout ça. Très beau, je reviendrai en tout cas. Cette petite promenade, vraiment cool. Oh, 5 étoiles sur TripAdvisor, peut-être pas, mais bon, 4 étoiles et demie à peu près. J'ai été déçu de l'accueil en fait. Voilà, je vais être honnête, le paysage est magnifique, j'ai aucun regret. L'accueil laisse un peu à désirer. Je trouve que les gens sont très agressifs. Dernière fois le paysage. Et ben voilà. Toute bonne chose a une fin. Vous pensez qu'il reste combien d'épisodes à peu près, le chat, sans spoil s'il vous plaît. Hop. Allez, on repose ça. Mais je suis vraiment l'esclave de ce vaisseau, les gars. Allez. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Ça fait 30 minutes. N'oubliez pas les paroles avec Nagui, évidemment, sur France 2. Mais n'oubliez surtout pas le petit j'aime et le commentaire. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous le chat. Ciao, ciao et bisous YouTube, évidemment.